Mais c'est... Jure-le-moi. Jure-moi qu'absolument tout ce que tu m'as dit à propos des Lucioles est vrai. Je te le jure. Le 14 juin 2013, le monde découvrait The Last of Us, la nouvelle production de Naughty Dog qui allait bouleverser l'industrie du jeu vidéo. Dans cette nouvelle production, nous découvrons l'histoire de Joel Miller qui va basculer le jour de son anniversaire, le 26 septembre 2013. Alors que ce dernier est confortablement installé chez lui avec sa fille Sarah, le monde bascule dans le chaos. Le 26 septembre 2013, c'est l'Outbreak Day. Le jour où le monde a sombré, le jour où la pandémie a commencé dans l'univers de The Last of Us. Pour fêter cette date importante, Naughty Dog célèbre chaque année l'Outbreak Day. Depuis l'année dernière, suite à la pandémie de Covid-19 qui a touché la planète, ce jour si spécial fut renommé le The Last of Us Day. Tous les ans depuis 2013, Naughty Dog offre aux fans diverses célébrations. N'hésitez pas à découvrir ou redécouvrir notre vidéo spéciale avec l'historique de tous les événements liés au The Last of Us Day que nous avons réalisé l'été dernier. En 2020, pour le premier The Last of Us Day, Naughty Dog avait proposé un guide officiel pour réaliser un cosplay d'Abby, deux nouvelles figurines pour Ellie, un thème dynamique pour la PS4 et une figurine incroyable de Joel et Ellie issue du premier opus de The Last of Us. On apprenait également qu'un jeu de plateau The Last of Us était en cours de production en partenariat avec Climon. Hélas, à ce jour, nous n'avons toujours pas d'informations. Ainsi, que pouvons-nous attendre pour cette année? Officiellement, il s'agit du deuxième The Last of Us Day, mais si l'on compte les années précédentes sous le terme Outbreak Day, il s'agit du neuvième événement. Commençons par les choses les plus probables. Selon nos informations, un concours photo devrait être organisé par Naughty Dog pour récompenser les meilleures réalisations de fans sur The Last of Us Partie 2. Nous pouvons également nous attendre à des réductions concernant The Last of Us Remastered, le DLC Left Behind ainsi que le The Last of Us Partie 2 sur PS4. Il n'est pas impossible non plus qu'une nouvelle statuette puisse être annoncée cette année. Pour les choses un peu plus délicates, on peut s'attendre forcément à l'annonce d'une version PS5 de The Last of Us Partie 2. Il y a quelques jours, Naughty Dog s'est illustré lors du PlayStation Showcase de Sony pour annoncer Uncharted 4 et Uncharted The Lost Legacy sur PS5. Il était logique de ne pas avoir d'informations autour de The Last of Us étant donné que le jour spécial approchait. En revanche, le The Last of Us Day serait le moment idéal pour annoncer l'arrivée de The Last of Us Partie 2 sur PS5 dès l'année prochaine, dans une version next-gen en 4K, 60 FPS avec du ray tracing et une totale compatibilité avec la DualSense. Enfin, on pourrait aussi s'attendre à l'annonce ou du moins le premier teasing autour du multijoueur de The Last of Us Partie 2. Depuis ce printemps, Naughty Dog a officiellement annoncé qu'il travaillait sur leur premier jeu stand-alone multijoueur. Il ne peut s'agir que de The Last of Us et nous attendons désormais avec grande impatience l'annonce de ce dernier. Côté série, il ne faut sans doute pas s'attendre à grand chose pour The Last of Us sur HBO. La série étant en pleine production, il est bien trop tôt pour avoir droit à une première bande-annonce. Voilà pour ce que l'on peut attendre cette année autour du The Last of Us Day. Bien entendu, comme tous les ans, il y aura sans doute une ou deux surprises complètement inattendues. Pour cela, il faudra bien être connecté le 26 septembre et sans doute le vendredi 24 septembre puisque Naughty Dog et Sony ne réalisent en général pas d'annonce le week-end. Comptez sur nous pour surveiller tout cela. N'hésitez pas à nous mettre un petit like ainsi qu'un petit commentaire si vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas non plus à partager cette dernière, cela nous aide grandement. Et nous, on se dit à très vite sur notre site, nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Salut à tous !